Et yo tout le monde, c'est Thiob, c'est avec une sciatique, mais ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Kingdom Reborn. Bon, je vais être un peu fatigué, vous me comprendrez, hein? Et on va juste reprendre, voilà, quelques minutes de Kingdom Reborn. Alors, si je me trompe pas. On avait un truc qui était pas loin de... On avait ça qui était pas loin de se construire. On attendait pour le zoo. Ah, déjà ils ont livré tout ce qu'il fallait. Et on attendait surtout de nouveaux arrivants. Parce que oui, on a un manque d'employés qui est assez important. Là, j'ai vraiment énormément d'employés ici. Je vais pouvoir continuer à faire des pioles, des maisons, des machins, des trucs comme ça là. Si je peux en faire quelques-unes là. Non, et là sera trop près. Ah! Là, ça a l'air de passer, hein. Oh, ça passe, magnifique. Bah, c'est magnifique. Bon, alors faire quelques maisons. Ah bah directement. Ah bah elles ont été habitées, mais directement. Il n'y a pas eu de... Non, c'est... Action, réaction. Oh. Ça, le Stavkirk, il se construit tout doucement, vraiment tout doucement. On va pas utiliser nos sous, hein, on est bien pour l'instant. On va rien utiliser. On va attendre qu'il soit fini de construire quand même. Alors j'ai vu qu'on avait du verre. J'ai pas vu un truc là qui était limite au niveau de production. Ouais, le bois, bon, le bois on verra, hein. Le bois c'est toujours. Comment dire? On a mis en priorité à la plantation. On va voir quand ça va se faire. Enfin, quand ça va vraiment réussir à couper, parce qu'il y en aura assez de plantés, quoi. Allez, le Stavkirk. Bientôt, Stavkirk. Oh, j'ai du mal avec la prononciation. Oh, plutôt stylé, hein. Bon, l'architecture, elle fait nordico-japonaise. Ça... Nordico-asiatique, c'est un peu original. Les règles de prod impeccable, ça me rajoute des petits bonus. Pas des points de victoire, pardon, pas des bonus, des points de victoire. Oh la vache, mais j'ai de la règle de production un peu partout là-dedans, c'est bien. La fromagerie, elle tourne bien. Et là, on avait quelques mines de charbon, oui. Mines de charbon qui sont très bien aussi. Hop, on a une maison qui est pas du tout habitée, donc on est bien. Oh tiens. J'ai pas vu là, j'avais une route. Je vais faire quelque chose. Je vais faire un petit pont là. Hop, et je vais faire une petite route. Ça se trouve, ça accélérera un petit peu là plutôt que passer par là-bas pour certains déplacements. Oui, je voyais également que j'ai de la cire d'abeille qui est en rab, du miel mais qui est bien consommé. Et au niveau de la nourriture, on est repassé à. Ah, mais c'était déjà un souci qu'on avait, je crois. On est limite. On n'est pas en perte, mais on n'est pas en gain non plus, quoi. C'est. Alors, je crois qu'ici. Et voilà. Ah. Tiens, 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 je vais récolter de la pierre ici. Et ici aussi, j'ai de la pierre. Hein. J'ai totalement pas vu. Je sais pas si c'est bien français, totalement pas vu, mais bon.
Ok, la prod de bois là qui augmente déjà, c'est bien. Ça en est bien. On s'en fout. On s'en fout. Ok. On commence à faire quelques stocks au niveau des meubles. Au niveau du mobilier, ça c'est bien. La vache. Les maisons. Ça y va. Je vais voir si je peux mettre des services tels que. Ouais, divertissement 133%. Bon, un petit théâtre. Par exemple. Pour le prix de la construction rapide, je vais le faire. On va mettre un on va leur mettre un budget là, ils seront contents. Je sais pas si ça prend en compte le tourisme ou pas. Si ça augmente le tourisme ou pas. La vache, ça c'est du tourisme ça. Ah, pas grand chose. Le zoo, il veut pas. Non. Ah si, ah bah ça y est, bah, suffit que je demande. Le musée, pareil. Tout ça, ça produit bien. Ça produit bien. Ah, la vache. Et bah décidément j'en ai oublié plein des routes à faire en pierre, en pavé. Il faut user pavé. J'ai de la pierre en parlant de ça, donc. On va tac 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 tac. Continuer. Tac tac tac. Là, on va faire d'énormes champs là. Là, ça va être vraiment une production de champs de zinzin. Mince. Tac. Un petit dernier. Un petit dernier pour la route. Voilà. Ça va demander pas mal de pierres. Autant que j'ai des routes à faire. Hop là. Voilà. Je vais accélérer. J'ai les fossés d'irrigation aussi là qui coûtent une blinde d'affaires. Ah. Ah merde, hein, bah c'est con ça. Et puis il y en a deux en plus. Oh, bah, il y en a trois. Vache. Zut. Ah oui. Ah bah ça va pas bien loin. Hein. On les agrandira au besoin. Ça va être limite au niveau argent. Plus de production de vin, bah j'en produis pas donc voilà, pas ouf quoi. Orfèvrerie. Ah, sélection des graines, voilà. Hop, je vais en profiter pour augmenter la prod de nourriture, qu'on accueille toujours plus de gens.
On va devoir produire toujours plus de bouffe. Hop, du cochon. Pour de la bonne viande. Production de cuir par contre. C'est abrutissant. Ah vache. Ah. Plus de travailleurs ici. Ah voilà, collection zoologique. Donc, le but c'est de capturer des animaux. Ouais, dit comme ça, c'est pas ouf. Hein. Par exemple, ce cerf rouge, je le capture. Voilà, ça m'a coûté un peu d'argent. Et je les mets en collection et ça me donne des bonus. Plus 50% de la caravane, par exemple. Et il me faut encore un sambar et un cerf... un mulet. Pareil, il me faut sanglier... On va voir tout ce qu'il nous faut. Hein. Donc l'idée c'est bon, moins 5% de consommation de nourriture, ça c'est cool. Et pour l'attrait de la ville, il nous faut ours brun, ours noir et un panda. Et il nous manque un cerf mulet et un sambar. Des sambars, on en avait vu, je ne sais plus où, mais on en avait vu. Petit sambar, hop. Voilà. Il nous manque un cerf mulet, je crois que j'en avais vu, non? Ah, je sais plus les cerfs mulets. Impeccable, bah j'ai tous les cerfs, oh la vache. Alors c'est assez rare de tout trouver d'un coup comme ça. Bon bah 50% de rentabilité des caravanes, c'est bien. Et maintenant il me faut les ours. C'est un peu plus compliqué, il est possible qu'il y en ait dans le coin. Alors une petite astuce, si jamais vous faites ça, faites des routes. Comme ça vous avez pas, vous voyez pas tout ce qui est arbre, etc. Voyez à travers la forêt. Bon voilà, il n'y a pas l'air d'en avoir. Hein. Ah pardon, toutes mes excuses. Alors est-ce qu'on quoi? Non pas, ouais, les ours c'est un peu galère à trouver ça. Le panda, moi j'en ai jamais trouvé naturellement. J'ai toujours dû l'acheter en carte. Mais bon, l'achat c'est 200 000. 200 000. C'est beaucoup. Bon, là, il n'y a pas l'air d'en avoir. On va aller au-dessus de un peu plusieurs des forêts, des trucs comme ça. Rien, dis donc. On a des difficultés à trouver nos ours. Vache. Non, non, toujours pas, toujours pas. En général, ils sont un peu dans les montagnes, des trucs comme ça. Enfin. C'est ce que j'ai remarqué. Enfin, ils sont dans les montagnes, dans des villes. En général. Alors, par exemple, ils seraient bien là, tu vois. Ah là, ils y sont pas. C'est une autre ville, hein. Eux, c'est nos potes. J'ai pas trop envie de leur piquer des trucs. J'aurais bien lui piquer des trucs, mais j'en ai pas vu. Et c'est pas facile de trouver. Bon, normalement, quand même, des ours, il y en a un peu plus. Ah. Où ils sont passés hein. J'ai pas fait tout ce qui est sud, là, par là. Je sais pas s'il y en a. C'est du cerf, y a rien d'intéressant. Par là. Sanglier. Que du sanglier dans le coin, là. Ah!
Un ours noir. Voilà, on va le capturer. Putain, il est 6000. Hein. Ah voilà, il y a des ours là. Bon, il n'y a que des ours noirs. Maintenant, il nous faudra un ours brun. Bon, un panda, encore mieux. En plus, il y a une... Un succès capturer un panda. Comme je vous disais, j'en ai jamais vu dans la nature. Hein. Avec des cerfs. Il n'y a que des cerfs, très bien. Ici, un dessert, ouais. En principe, il n'y a que des cerfs. Des sangliers, pardon. Des cerfs avec de longues cornes. Enfin, de longues défenses, plutôt. Bon bah, on va aller là-bas pour voir, hein, au pif. Bon bah, j'aurais récupéré qu'un ours, un ours noir. Et là, une petite montagne, là, il n'y aurait pas d'ours dans le coin, hein? Non. Rien à secouer. Oh, tiens, il y a des... Regardez par là. Oh, il n'y a pas d'animaux, là, dit. C'est quoi ces îles? Oui. Hein. Mais tu me dis qu'il y en a sur ce micro-atoll là, il y a deux arbres quoi, il y a un morceau de caillou qui se battent en duel. Bon. Bon bah on aura pas tout eu lors de cette chasse. Oui, règle de production. Soyez les bienvenus, excusez-moi de. J'ai mis un peu de temps à répondre, mais. 5 d'attrait. Ah ok. Oh, c'est bien ça. Hop! On a déjà fermé. Pourquoi je fais hop? Parce que. On a pas assez de maisons. Alors je vais voir d'où viennent les travailleurs. Les travailleurs, ils viennent de loin hein, quand même. Bon, là, vu que je vois que l'eau, là, elle va pas très très loin non plus. Je vais bâtir de nouvelles maisons. Hop, on va faire ça. Tac. Tac et tac. Et je vais accélérer leur construction. Voilà. Pour avoir assez de logements pour toutes les maisons quand même. Sinon ça risque d'être compliqué. Alors, comment qu'on est? On manque toujours énormément de maisons, c'est fou. Là, tu me diras, j'ai quand même pas mal de travail ici. Hein. Ah ouais, ils viennent de loin. Ah ouais. En même temps, vu la zone. Pas trop le choix. Là, je vais faire une nouvelle piole. Là, ça va être trop proche de tout. Là, oups, oui. Voilà. Ah, toujours 3 maisons de plus. Ah, qu'on tout de suite embauché. Hein. Purée. Bénéfice par voyage, 6000. Ah oui, quand même. Attendez, je vais en faire du caravansérail. Hein, Ah, mais ça me coûte de. Ça me prend des travailleurs. Hein, mais même là, ils viennent de loin. Ils vont travailler où, les mecs, là? Ouais. Ah, et ils restent en local, pourtant. Hop. Tac.
Ah, il y a directement des gens qui sont venus hein. Là. Voyons. Ils viennent de pas loin, ils viennent de pas loin. Ça, c'est good. Ils vont tous travailler là. Ah, ils viennent de loin, mais eux, ils viennent, mais oh, je comprends pas. Tac, tac. Voilà, comme ça, ils viendront un peu moins loin. Une meilleure répartition des lieux de travail, quoi. Ouais, lui, ça va. Ça va, ça va, ça va. Bon. J'ai construit des maisons, mais... C'est à peine suffisant, hein. Consommation de chauffage qui va aller avec, je suppose. Consommation de bouffe qui va aller avec aussi. Après, tu me diras là, tout ça, là, ça va être... Ça va devenir des champs, donc... D'ailleurs... Hop là. Ah, pas bien loin. Hein. Je pensais que ça irait un peu plus loin quand même. Et là, ah bah là, rien du tout. Ah, je suis pas en face. Ouais, j'avais pas les yeux en face des trous quand j'ai... Quand j'ai construit là. Bon, dommage. Ça c'est moi. Et là... Oh! Eh bien. Ah oui, mais... que là, il est pas construit. Là, pareil, hein. Dès que ça va être fini, là, celle-là et celle-là, là, on risque d'avoir moins d'eau. Moi, j'ai rien dit, je pensais. Autant pour moi. Je n'ai rien dit. Par contre, j'aimerais bien savoir jusqu'où ça va là. Ok. On optimise. Plus que deux. Et là, je pourrais faire d'énormes champs. Des champs de quoi? Telle est la question, mais d'énormes champs. En face, il y aura tout. Ah oui, attends, il faut que je fasse des entrepôts aussi. 80, 95, allez. Ah ouais? Oh. Ok. Ah oui. Si c'est tout long, of course. Là. Non, c'est juste que c'était trop long. Ok. Et ok. Et
Avec la taille des champs là qu'on fait là. Ah, peut-être tu en loupé par là, non? 1, 2, 3, 4. Ah non, non. Ah. C'est un peu long ici apparemment. Oula oui. Lucky. Voilà. Voilà. 1 fossé d'irrigation, s'il vous plaît. Oh bah putain, oui. Mais pas ouf. Hein. J'étais là. Voilà. Magnifique, n'est-il pas? Plus qu'à faire quelques routes. Pas mal d'entrepôts aussi. Voilà. On va faire des entrepôts de temps en temps, genre là. Genre là. Genre là. Petit. Ici. Et là. Il y a beaucoup de maisons. Là. Ils vont en avoir pour du logement. Pour leur logement. J'ai envie de dire. Hop, hop, tiens, hop, on va faire ça. 1, 3, tac. 1, 3, 1, 2, 3, 1, bon. Ouais, tout le long, hein, faut bien des maisons pour ces nobles travailleurs qui travaillent la terre avec acharnement. Il faut bien des bonnes routes quand même, faut pas déconner non plus. La vache. Et oui, des routes pareil qui vont par là. Toi, tu iras là. Bon, et toi alors? Voilà. Maison trop éloignée. Ah ouais. Bon bah là je vais leur faire des maisons un peu plus proches, genre là. Puis il n'y a plus qu'un, hein. Mais j'ai plus assez. J'ai plus assez pour les maisons. 3, tac, tac, tac. Tac. Tac, tac. Ah bah il manque. Ah non, il manquera rien. Hélas, boum! 18 maisons, c'est boum, 18 maisons, ah bah la vache. Oui, oui, quand même, ça fait de la maison, hein. Ah oui, on va peut-être pas faire du blé sauvage. Myrtille, citrouille. Ou, j'avais pas le choix d'acheter de nouvelles ressources, là, au niveau des cartes. Myrtille, citrouille. Oh non, c'est myrtille, citrouille. Oh. Ouais, non, ça c'est nul, je l'ai testé une fois avant poste de ressources. Il serait une ressource d'une province étrangère, ça extrait que dalle. Et vraiment que dalle. Voilà, ça vaut pas le coup, je vous le dis. On est bien au niveau de nourriture, prod de bouffe. Donc là, avec ce qu'on fait, ça devrait tenir
Un paquet de temps, donc on va faire de la citrouille, On va faire pas mal de citrouille, voilà, on va faire de la myrtille, on va repartir sur de la citrouille et de la myrtille. Je reste tombé pour le reste. Hein. Tu sais quoi, pour la bouffe en vrai, là je peux aller au moins jusqu'à beaucoup plus. On va faire 100 000, allez. Voilà, tout ce qui bouffe là. Hop là. Avec les entrepôts. Ouais. Bon, 100 000, j'ai peut-être un peu exagéré quand même. J'ai peut-être fait un petit peu fort. On va voir. On verra, on baissera si c'est trop au niveau de la conso, etc. Tout son temps qu'on y arrive, à mon avis. La partie sera finie. Hein. Engrais. Ah bah voilà, engrais. Combineur de cartes, ça, ça va être sympa. Quand j'aurai un peu plus de production de cartes. C'est vrai que malgré nos montagnes, on n'a pas de bière d'ours. On a des volcans, mais on n'a même pas d'ours à proximité des volcans. C'est triste ça. C'est pas bien grave. Il y a des fruits par terre au calme. Et que ça va foutre quoi. Vous êtes tellement bédonnant que vous jetez les fruits maintenant. Bah super. Donc on a de la prod de vêtements, on a de la production de bougies. À la verrerie, on est bien. Hydromel au miel. Oui, ça faudra augmenter notre production aussi. On est pas trop mal. Ouvrier 320. Ah bah bon Dieu. Ça se touche la nouille par moment, on sait pas trop pourquoi. Hein. Hop, hydromel au miel. Ah oui, j'ai pas de route. Oh. Sûr, on va faire des routes. Tac, une. Deux. Ah. Ah, on fera autre chose ici. On va créer une autre. Hein. On va refaire une autre zone industrielle. De toute façon, au bout d'un moment, il n'y aura pas le choix. Hein. Voilà. Et comme ça, avec les 3, j'aurai une production avancée. Quitte à ce que ça tourne pas à plein pot, c'est pas très très grave. D'autres choses que j'avais oubliées ou pas? Champignons magiques, oui. Ça aussi, on va faire d'acheter des champignons magiques. Hein. C'est ça, je crois, ouais. On va même débloquer le bâtiment, l'amélioration. Ça, je peux vous le dire, on va la débloquer l'amélioration. Juste à côté du fort. Là. Hop là. Tac, je finis la route. Voilà. On est en positif, on est bien en positif au niveau de l'amélioration de la population. On a beaucoup de naissances, ça c'est cool. On a pallié le nombre de... On a plus de naissances que de décès, ça c'est très bien en vrai. Et on va arrêter l'épisode là-dessus. Sur le lancement de la construction de fermes de champignons magiques. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Un grand merci d'avoir suivi, c'était Thiob. Ciao.